72, la Sarthe. Vous avez une nouvelle maison? Non, on l'a juste agrandi, hein, nous. Ouais, là, on l'a agrandi, on a mis des papillons dedans. J'en connais un qui suit pas. Hein. Donc 16h, on a dit. Mais c'est pas un vin, ça, c'est un jus. Oh là là. Bon. La boîte des objets trouvés. Il faut un fruit. T'inquiète pas, Ando, si t'as du mal à suivre, t'as le matin à 8h05, tu as live VOD de jour par jour, un jour par un jour. Donc ça te fait en gros le matin avec ton café, tu as 15 minutes de Stardew Valley si t'as envie. C'est fait pour. C'est le meilleur plan. Sinon, si tu te manges 3h, 3h30, voire 4h d'un coup, c'est un peu indigeste. Alors que jour par jour, ça te fait le petit quart d'heure, 20 minutes là. C'est quand même plus intéressant, je trouve. Oh, Ando qui découvre YouTube Iva Sound. Rappelle-moi, ça fait combien de temps que t'es censé connaître? Les vaches refusent de donner du gros lait. Je sais pas comment on fait du gros lait, ou alors c'est mettre plusieurs laits dans Il faut juste qu'elles soient contentes, c'est comme les œufs. Au début c'était que des œufs tout petits, et à force de nous aimer, ils font des gros œufs. C'est les vaches, on les a pas depuis tant que ça, hein, au final. Hein. C'est vrai. Et puis elles ont qu'un demi-cœur d'amour. Hein. C'est vrai. Parce qu'elles peuvent pas sortir, parce que c'est l'hiver et tout ça. Hein. Elles sont on a l'état un poisson, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est? C'est pour toi, Yeki. À toi. Pour toi, le public. Oui. Le petit canard, là, mais ouais. La petite pêche. Le petit canard, oui, c'est le petit canard. D'accord. Je communique avec mes animaux, d'accord? Oui, j'ai fait, écoute, je juge pas. Il faut communiquer, on dit. Si tu veux, si tu veux. Les poissons peuvent vivre dans cet étang. Oui, mais comment? Le gros lait, c'est pour faire des pâtisseries. C'est surtout pour le mettre dans le centre communal. C'est surtout pour le mettre au centre communautaire. Attends, j'en suis où dans mes... Le sorcier, il aimerait un cadeau. Est-ce que j'ai un cadeau pour le sorcier? Non. Je suis désolé, Ando, j'ai pas compris. Il dit... C'était un jeu de mots, mais bon, Grolet. Parce que pour moi, Grolet, c'est une ville du... Une petite ville du Tarn, mais c'est pas grave. C'est Cédric Grolet. Mais je sais pas si c'est connu. Je suis désolé, je suis pas assez calé en personne célèbre de cuisine. Nani Koulemashta. En cuisine, tu me dis Cyril Lignac, Philippe Echebest, ou les cuisiniers toulousains à la limite, mais sinon je sais pas qui c'est. C'est qui les cuisiniers toulousains? Bah t'as celui qui a son resto au-dessus des galeries Lafayette, il est souvent juré dans le Top Chef. Il a l'accent bien toulouse. Attends, sans tricher. Comment il s'appelle Patrick Gérald Baldi. Non. Je vous lis pas le chat. Il s'appelle... Ça va venir. Il s'appelle... Joe Will. Non. Joe Wilfried Tsonga. Mais c'est un tennisman. Non mais je sais, mais... On peut plus troller dans ce jeu. Jean-François Piège. Ah mais le chat, vous avez triché. Pas bien. C'est pas bien du tout. Pour l'instant, je vois que sur Discord, il y a exactement plus de 15 minutes, j'ai reçu un message qui me dit « Tchè !» Mais sauf que je ne sais plus pourquoi. Je savais pas qu'il était... Ah si, il est de Toulouse. Il est clairement... Il vit à Toulouse, il est né à Toulouse, il paye ses impôts à Toulouse. Ça... Ça fait tirer rien à la bourrée au-delà. Oula, c'est quoi ce poisson? Je sais pas du tout. Le poisson, il a fait bonjour, au revoir. Bonjour. Ah, j'aimerais. Ah, faut que je fasse améliorer une pioche. Ah, merde, elle est là. Bonjour madame.
Oui, les animaux sont gentils, oui, on les aime, on les adore. Ça, regarde, vu qu'on est déjà mi-décembre, mi-hiver, pardon. Regarde les prix des chèvres, des moutons et tout ça, c'était chez elle. Oui, parce que nous tournons en direct sort du Valais, on est début janvier, on n'est pas mi-décembre. Fragment d'étoile au musée, cool. Ouais, bravo. Étoile. Je l'aurai ce poisson. Hein. Si j'arrive pas à voir lui, qu'est-ce que tu veux que j'arrive à attraper le légendaire de la montagne quoi. J'en ai jamais croisé moi de légendaire, ça qui me fatigue. Aimra, il était vraiment ponctuel. Il s'est même pas arrêté devant la porte, c'est 14h passe, hop là, la porte. Bah tu fais chier. Oh! Ah ouais. Ah oui. On a un event aujourd'hui, l'oubliez pas. Ouais. Et je peux pas récupérer le reste. Oh, je voulais récupérer mes murs. T'as pas encore rire. Je me casse. Oh, le budget qu'il faut. Et il y a une nouvelle quête de la semaine. Réjouissons-nous. On a le nettoyage de la communauté. Je me disais qu'il y a beaucoup de déchets dans l'eau. Pourquoi ne pas les pêcher pour donner toute sa beauté à la vallée? Ou alors, pour des raisons inconnues, la population de poissons du lac est en surpopulation. J'ai besoin d'un pêcheur local pour m'aider à réduire leur nombre. Qu'est-ce que vous voulez? Pêcher des déchets ou... Combien ah bah attends, ou pêcher des poissons? Mais ça me dit pas. C'est soit on nettoie, soit on équilibre le biome. Là, comme ça, je dirais les poissons de la montagne. Les poissons, même si les écologiquement je serais parti sur les déchets, mais en vrai plus les poissons. Ouais. Bon, pour la facilité, les poissons, je pense que ça sera aussi, mieux. Ouais, je pense. Imra, ton avis sur la question? Je t'avoue que j'étais en train d'admirer les formidables épées à acheter jusqu'à ce que je vois le prix. Voilà, on va faire équilibre du biome. Bon. Combien le prix de l'épée? Attraper 20 poissons du lac. Bon, bah, ça devrait le faire, ça. Oui, easy. Par contre, n'y allez pas maintenant. Prenez la quête aussi chez Pierre qui nous demande de pêcher des calmars. Et rendez-vous là maintenant chez Marnie. Pourquoi Marnie en bas. Parce que c'est maintenant l'event là. Ça, quelle heure? À 16h? 17h. Là maintenant, tu pêches deux poissons de la rivière et. Ou... Attends, Marnie, c'est pas en bas? Marnie, c'est la dame c'est de. C'est au sud de la. De la. Mais pourquoi c'est pas bloqué le chemin alors? Mais parce que c'est pas chez Mardi. Parce que c'est pas 17h déjà. Et j'ai vu beaucoup de monde se diriger vers la plage. Le marché nocturne est maintenant ouvert. De toute façon, c'était écrit. C'est au sud. C'est au sud de la ville, c'est pas chez Mardi. Bah ouais, c'est ce que je me dis, c'est au sud de la ville. Et forcément, tout le monde y va, je pense. Hein. Ouais, j'ai vu beaucoup de monde aller au sud, donc j'y vais. Pêche nocturne. Oui, ça doit être à l'océan alors. Bah oui, mais j'y suis à l'océan, il n'y a rien. Attends. Parce que je suis en train de suivre des personnes, il y a eu beaucoup de monde qui... Ah si, c'est bien au sud, c'est bon. Mais au sud où? C'est juste que j'ai pas beaucoup avancé. C'est sur les quais. Sur les quais. Cabane de pêche. Oh putain, je me souviens, il y a trop de trucs à faire. Ah. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Oh là 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 là. Célèbre peinte, je vends cette toile pour 1200. Oh, j'aime bien, on achète. De quoi? Oh, des graines. Oh, il y a des graines de tout. Oh. Des graines de tout? Mais d'où? De tout. Ici, là. De tout. Ah. Ouh. Ouh. Et on achète la graines. Toile à 1200, je trouve qu'elle vaut non. Le coup. Hein. Non. Oh. Allez. Il y a des activités vraiment à faire, en fait. Hein. Mais ça? J'ai pris mon café, moi. Les graines de Zinzia, ça peut être intéressant. Je la prends pas, mais je vous le dis. Ça sert à quoi? Parce que je pense qu'on pourra pas les avoir rien. Oh là là, un tour de pêche en eau profonde de 1000 PO. Mais c'est quoi ce beans, quoi? Les graines de café, peut-être, ouais. Oh là, non, clairement pas.
pierre tombale, sculpture, chapeau, pané, haricot, chou-fleur, pomme de terre, lézinia. Bah là, les lézinia, elles sont à 30. Ah, mais il y a plein de trucs encore par ici. C'est chaud. Oh, il y a des cannes. À quoi ça sert? Oh, il y a des... Oh. Ah, attendez, je fais le tour là-bas parce que du coup... Les cannes, on s'en fout. C'est ici qu'on dépense tout notre argent. Non. Oh mon dieu, je viens de me souvenir qu'il y a un truc. Il y a un truc à faire avec la sirène. Oui. Mais quoi? Oh non, faut appuyer sur les. Sur les coquillages, je crois, non? Je sais plus. J'ai pas trouvé, moi je suis allé à la chanter. Bah, moi là, elle est en train de chanter, ouais. J'ai une tasse de café. Merci. C'est quoi qu'il faut faire avec la sirène? Alors, lui, ça, j'en fais après. Hein. Je finis le tour. Qu'est-ce que je vais faire, mais... Avec la sirène, je sais plus. La sirène, c'était une énigme ou quelque chose comme ça, non? Oui, c'était une énigme, mais je sais plus ce qu'il fallait y faire. Ah, il faut y rester et... faut y rester longtemps, et moi, j'ai une animation psychédélique, là. Salut. Genre, il y a une grosse sirène qui chante, il y a des vagues... Il n'y a pas un ordre de coquillage? Mais si, mais je sais plus. Il y a un ordre de coquillage. Je m'en souviens, mais alors l'ordre, je m'en souviens plus. Ok, elle chante. Ouais, ouais, c'est elle chante et après t'es transcendé. Je préfère le marchand dans Cadence hein. Et dans Crypt. J'avoue. Ah, et voilà, c'est fini pour moi et après. Oh mon dieu! Est-ce qu'à la fin elle se fait happer par la moule en mode. Par contre, il y a un souci. Ah si, ça y est, je peux interagir. Même réaction que toi, Ando. Mais qui c'est qui a pris des champignons encore? T'as vu, c'est violent. Hein. Ok, j'ai des paillettes sur tout l'écran. Coucou, oui, coucou à toi aussi. Ça y est bon? Ok. Une fois qu'elle a fait coucou, on sort? Oh, j'ai fini! Attends, comment j'ai fait pour gagner une perle? J'ai fait 1, 5, 4, 2, 3. Non. 1, 5, 4, 2, 3. Oui, je crois que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait un truc au hasard complet. Oui, c'est un 5, 1, 2, 3, j'ai des effets sur la... Ouais, j'ai gagné une perle. C'est ça. Okay, 1, 5... 1, 5, 4... 4, 2, 3. 2, 3. Mais je l'ai fait tellement au hasard. Par contre, il est tard. Vite, directement le sous l'eau, là. Ah oui, Non. Qu'est-ce qu'il faut faire, y a qui pond, non. Mais pourquoi sous l'eau? Parce que le sous-marin... Il est minuit, on va mourir. C'est pas grave. Oh, il est trop tard pour le sous-marin. Prenez le téléporteur près du mec mystique, attends qu'il prend 150 PO. Dommage pour le sous-marin. Parce qu'en fait, le sous-marin, il est rentable. C'est sur plusieurs jours. C'est vrai? Oui, c'est sur plusieurs jours, le machin, c'était écrit, il y avait plusieurs étoiles sur le comment ça s'appelle, le calendrier. D'accord. Je crois que c'est sur 2-3 jours, mais je suis pas sûr. Mais pourquoi faire une pêche à 1000 PO, là? Ça coûte cher. Parce que c'est rentable, je sais plus pourquoi, mais je me souviens que c'était rentable. Mmh. En tout cas, moi, début de journée, je vais faire les animaux et je vais au lac. Mais attends, le lac, c'est où? C'est au sud? Non, le lac, c'est la montagne. Hein? C'est la mine. Tu vois l'entrée de la mine? T'as un gros truc d'eau? Oui. Bah, c'est le lac. Oh, c'est loin. Excusez-moi, avant de faire silence pour passer à la journée suivante, j'ai un choix. Est-ce que je suis forestier ou chasseur-cueilleur? Cherchant que. Il faut rester parce qu'on avait besoin de bois. Mais... Ok, bon, mais dans ce cas, je suis chasseur-cueilleur.